meurtres au Québec. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. C'était comme... ça peut pas arriver. C'est des choses... C'est quoi ça? C'est des choses qui arrivent dans des films. Il serait parti 5 minutes plus tard, puis ça serait pas arrivé. Est-ce qu'on peut prévenir ça? Un accident, c'est si vite arrivé. J'ai eu un appel de son père qui me disait que les policiers l'avaient appelé puis Kevin était à l'hôpital. Donc, j'ai essayé de savoir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, c'est un accident. Je pense que ce groupe de jeunes-là avait pas une problématique de violence particulière. Quelques-uns de ces jeunes-là, oui, faisaient de l'attitude, se donnaient un air de bombe, mais c'était pas des jeunes criminels. Le dimanche 6 décembre 2009, à Québec, Kevin Duquet, un adolescent de 17 ans, monte dans un autobus accompagné d'amis. On venait de se faire envoyer un petit message MSN, puis je le taquinais, fait que je dis « viens donc souper à la maison » et tout ça. Fait qu'il me dit « non », fait que je demande pourquoi, puis là, bon, je voyais bien une petite réaction d'adolescent. Fait que j'ai su que c'était fait une nouvelle petite copine qui allait le rejoindre vers 4h ou 5h. Fait que moi, j'ai su que j'aurais, ben, j'emmène ta petite copine, tu sais. Ça n'a pas marché, mon affaire. Donc, vers 4h, j'ai dit, rappelle-moi puis dis-moi si tu viens avec ou pas. Kevin et ses amis prennent place à l'arrière de l'autobus où se trouve Jonathan Dulac, un jeune homme de 19 ans. Pendant le trajet, une banale dispute se déclenche entre la bande de Kevin et Jonathan. Mais à leur sortie de l'autobus, l'incident tournera à la tragédie. Vers 16h, le 6 décembre 2009, le service de police de Québec reçoit un appel d'urgence. Une personne est grièvement blessée au terminus d'autobus Les Saules. Immédiatement, quand le service de police reçoit un appel comme ça, c'est les patrouilleurs qui sont attitrés au secteur, qui se rapprochent les premiers et qui vont voir l'événement, qu'est-ce qui est arrivé, entre autres. Des policiers se dépêchent sur les lieux et découvrent un jeune homme étendu par terre. Dans la confusion, des témoins tentent de leur raconter ce qu'ils ont vu. Les personnes croient que la victime a reçu un coup de couteau dans les jambes au niveau des artères parce que ça saigne abondamment. Et c'est par la suite que la victime s'affaisse sur le sol. Et là, les personnes disent qu'elle est tombée inconsciente. Les ambulanciers transportent le blessé au centre hospitalier de l'Université Laval à Québec. Par la suite, les policiers sur les lieux, leur devoir, c'est de protéger la scène de crime. Donc, eux font un périmètre pour s'assurer que la scène ne soit pas contaminée par des personnes qui n'ont pas d'affaires là inutilement. Et également de conserver les éléments de preuve qui leur sont montrés et de conserver les témoins qui sont sur les lieux, qui ont vu certaines choses, pour qu'ils soient par la suite rencontrés par les enquêteurs ou par d'autres policiers là, pour obtenir leur version des faits. Avec les différents témoignages recueillis, les enquêteurs parviennent à établir les profils des protagonistes impliqués dans l'affaire. Kevin Duquet et Jonathan Dulac. Jonathan Dulac est né le 28 janvier 1991. Il est l'aîné d'une famille de 4 enfants. Son père travaille dans le domaine de l'aviation et sa mère fait carrière dans l'armée canadienne. Ils inculquent à Jonathan et à ses sœurs le respect d'autrui dès leur plus jeune âge.
Jonathan profite d'un amour inconditionnel et d'une attention soutenue, ce qui lui procure un grand sentiment de sécurité. Mais l'enfant est brutalement confronté à une autre réalité dès qu'il entre à l'école. Des fois, il arrivait à la maison, il manquait des crayons, il manquait des effaces. C'est pas grave, on en redonnait d'autres, puis je me disais, il s'amuse avec ses amis. À l'école primaire, des jeunes semblent identifier Jonathan comme une cible idéale. À un moment donné, il est arrivé, il n'y avait plus d'étui à crayon. J'ai demandé, qu'est-ce que tu... Je sais que tu perds des affaires, mais là, les étuis à crayon. Ah, il dit à quelqu'un qu'ils se l'ont tiré, puis ils ont commencé à se le passer dans le passage, puis j'ai jamais revu mon étui. Bon, c'est des petites choses, peut-être un peu anodines, mais si ça arrive tous les jours. Une des techniques des intimidateurs est de mettre au défi leurs victimes de porter plainte à la direction de leur école ou à leurs parents. Le silence de ces derniers encourage ainsi les élèves mal intentionnés à augmenter la fréquence et l'intensité de leur harcèlement. Jonathan, il a bien caché ses ressentiments quand il était plus jeune parce que, sincèrement, je ne l'ai pas assez détecté. Puis pourtant, souvent, j'ai demandé à mes enfants, souvent, est-ce qu'il y a de l'intimidation à l'école? Est-ce qu'il y en a qui vous font peur? Est-ce qu'il y en a qui vous dit quelque chose? Régulièrement, s'il y a quelque chose, il faut qu'on le dise. Malgré leur vigilance, les parents de Jonathan ne se doutent pas que leur garçon est victime d'intimidation. Durant les années suivantes, Jonathan et sa famille déménagent à plusieurs reprises. De nouvelles adresses et de nouvelles écoles qui offrent autant de nouveaux départs pour le jeune garçon. Mais le manège se poursuit. Même s'il n'est pas quotidiennement soumis à l'intimidation, chaque matin, Jonathan se lève maintenant avec l'appréhension de ce qui l'attend à l'école. Il y a plusieurs sortes de victimes d'intimidation. Il y a des victimes qui vont en parler, il y a des victimes qui n'en parleront pas. Dans le cas de Jonathan, ce qu'on constate, c'est qu'il n'en a pas parlé à sa mère. On peut penser que c'est à ce moment-là un enfant qui, lorsqu'il a été victime d'intimidation, avait lui-même l'impression qu'il la méritait. Ou il avait lui-même l'impression qu'on pouvait facilement rire de lui parce qu'il y avait des choses chez lui, soit physiquement, soit dans sa personnalité, qui pouvaient amener le rire d'autrui et dont lui-même n'était pas fier. Avec le temps, l'intimidation dont Jonathan est victime s'accentue et prend une nouvelle forme. À une occasion, il est contraint de participer à une activité où il se fait humilier. Ses camarades d'école l'invitent à prendre part à Vérité ou Conséquence, un jeu cruel où, tour à tour, les participants doivent choisir entre répondre à une question embarrassante ou relever une épreuve pénible. Mis sous pression, il doit toujours choisir la conséquence. Les jeunes frappent alors Jonathan, qui devient la risée de tout le monde. D'en parler avec sa mère, c'était reconnaître qu'il y avait quelque chose qui était risible. Alors, pour se protéger, et c'est complètement le contraire qui s'est passé, mais il a cherché à se protéger en ne racontant pas qu'on avait ri de lui. Mais ce que ça a fait, c'est que ça a pu faire en sorte que la situation perdure. Une dizaine d'années plus tard, en ce jour fatidique du 6 décembre 2009, Jonathan, alors âgé de 19 ans, monte dans un autobus. Les souvenirs de son enfance semblent lointains dans son esprit. Un groupe de jeunes intimidateurs raviveront pourtant ses pires craintes. Reconnaîtront-ils en lui la cible qu'il a toujours été? Jonathan Dulac sera-t-il à nouveau victime? En 2009, après avoir été marqué par l'intimidation durant son enfance, Jonathan Dulac, maintenant âgé de 19 ans, prend place à l'arrière d'un autobus. Il prend son cellulaire pour contacter un ami. Quelques instants plus tard, Kevin Duquet et ses amis montent dans le même autobus. Jonathan Dulac était en discussion téléphonique sur un cellulaire avec un de ses amis et parlait d'un peu n'importe quoi. Et Kevin Duquet s'est mêlé de cette conversation-là. Moi, je connais très bien Kevin. Je peux même voir la scène, même si j'étais pas là. Kevin, il a pris le même autobus que Jonathan Dulac. Puis malheureusement, il était assis à ses côtés. Un à côté de l'autre.
Kevin Duquet naît le 5 novembre 1992 à Québec. Cadet de la famille, il a une sœur avec qui il entretient de très bons liens. Dès son plus jeune âge, Kevin montre plus d'intérêt pour les sports que les études, préférant les bancs des patinoires locales à ceux de son école. Kevin, c'était un petit clown. Ça a toujours été en se réveillant le matin, en sourire, en taquinant sa sœur. À l'école, la même chose. Il faisait tout pour faire rire le monde, finalement. Personne très sensible. Très humain aussi. Très sociable, il aimait beaucoup les gens. Kevin est de moins en moins motivé par les études. Au secondaire, elles occupent une place lointaine dans ses priorités. Il préfère flâner avec ses amis et profite de la moindre occasion pour s'évader avec eux et délaisser ses cahiers d'exercice. En 2006, alors qu'il étudie en secondaire 3 dans une polyvalente d'Ancienne Lorette, à l'ouest de Québec, Kevin décide d'abandonner l'école. Non, il n'aimait pas l'école. Il avait hâte de finir l'école pour soit faire de la mécanique ou dernièrement, les derniers mois, je pense qu'il voulait être opérateur de machinerie lourde. Moi, je détestais l'école et je pense que son père n'aimait pas plus ou moins l'école aussi. Ses parents n'ont donc d'autre choix que d'accepter la décision de Kevin et lui offrent tout le support qu'ils peuvent. Faisait de la mécanique comme son père, fait de la menuiserie, je lui ai appris à faire de la menuiserie, en fait, le patio, le cabanon, peu importe ce qu'on faisait, il voulait y participer. Peut-être très, très, très manuel. Vrai bout en train, il n'hésite pas à s'amuser aux dépens d'inconnus et même à les intimider pour faire rire ses amis. Les parents de Kevin connaissent le caractère plutôt impertinent de leur fils. Mais ils y voient surtout une façon d'attirer le rire et l'attention. Kevin ne faisait pas ça pour faire du mal. T'sais, il était jeune, on passait un commentaire. Même au hockey, il a commencé à jouer au hockey. Quand il voyait qu'il n'y avait pas le dessus, il pesait 90 livres mouillés, il jouait au hockey, il se poussait dans les bandes, il avait peur. Mais c'est sûr qu'il passait des commentaires. Puis là, l'autre, quand il se mettait à patiner après pour le prendre, Kevin se mettait à courir et puis il faisait rire tout le monde. Mais c'était comme son but premier de faire rire le monde. Et souvent, on voit des intimidateurs qui ne sont pas des grosses brutes épaisses. Ce sont des gens qui utilisent l'intimidation pour maintenir leur code de popularité, pour maintenir leur statut à l'intérieur de leur groupe de pairs. À l'occasion, Kevin et ses amis fument de la marijuana et boivent de la bière. Ils se rejoignent alors au terminus Les Saules, tout juste à l'arrière de la Maison des Jeunes, où la consommation de stupéfiants et d'alcool est interdite. Que leur présence pouvait intimider d'autres jeunes, le fait qu'ils soient là sur le terminus Les Saules, ça pouvait intimider d'autres jeunes ou même des adultes, des citoyens. Par contre, je pense pas que leur intention était nécessairement d'intimider les gens. Puis il est possible que quelques-uns d'entre eux aient intimidé d'autres jeunes dans le passé. Kevin ne rate pas une occasion de se faire valoir. Souvent, ses amis et sa famille trouvent qu'il en fait trop et l'avertissent de ne pas aller trop loin dans ses insolences. Vous trouvez ça drôle, mais j'ai dit Kevin, un jour, tu vas tomber sur quelqu'un et tu vas passer un commentaire banal comme ça, puis tu vas manger une claque sur le nez. Puis ça va arriver. Mais l'adolescent fait fi de la mise en garde de ses proches, sans se douter des répercussions de son comportement provocateur. Les jeunes ont tendance à ne pas percevoir la gravité que l'intimidation peut avoir. Je ne sais pas si ce groupe-là, en particulier, intimidait des gens intentionnellement. Mais ce que je sais, c'est que la plupart du temps, quand des jeunes intimident d'autres jeunes, ils n'ont pas conscience de la gravité de l'impact que ça peut avoir sur la personne qui en est victime. Le 6 décembre 2009, Kevin Duquet monte dans l'autobus avec ses amis. Le groupe se dirige vers l'arrière de l'autobus. Ils sont bruyants. Kevin est alors intrigué par la conversation de son voisin, Jonathan Dulac, qui semble être en train de conclure une transaction de drogue. C'était des propos lâchés au téléphone, peut-être pour se valoriser, démontrer de l'importance dans l'autobus, puis narguer les autres, peut-être qui étaient alentour de lui en montrant que c'était quelqu'un d'important, puis tout ça.
Mais l'enquête a démontré qu'il n'y avait jamais eu des propos réels tenus à l'effet d'une future transaction de drogue ou d'un trafic de stupéfiants. C'était complètement canular, là, puis c'était une histoire inventée dans l'autobus. Là. Kevin s'immisce dans la conversation. Il suggère à Jonathan la manière de négocier sa présumée transaction de drogue. Kevin Musquette prend part à la conversation et mentionne à M. Dulac, qui est à côté de lui, ben dis-lui qu'il vienne faire ça par avion, là, où il lâche une joke aussi concernant ce trafic de drogue potentiel qui se passe par téléphone. Il embarque à la discussion et dit à M. Dulac d'arrêter de parler de ça, que ça l'énerve. Le ton monte rapidement entre les deux jeunes hommes. Après seulement quelques instants, Kevin invite Jonathan à se battre à leur sortie de l'autobus. Il m'a dit que les jeunes y avaient dit « Tu seras pas le premier, t'es le troisième cette semaine qu'on passe à tabac, puis regarde, tu vas y passer aussi. » Jonathan se dirige alors vers l'avant de l'autobus, dans l'espoir d'éviter la confrontation. Mais Kevin et sa bande le devancent et sortent avant lui. Jonathan tente de passer à côté du groupe quand Kevin le rattrape. Ce que personne n'a vu, c'est qu'un des jeunes a caché un couteau dans la manche de son manteau avant de sortir de l'autobus. Canal D, une division de Bell Media. Le 6 décembre 2009, Kevin Duquet, reconnu pour son tempérament provocateur, et Jonathan Dulac, victime d'intimidation durant son enfance, ont une confrontation dans un autobus. Kevin ne se gêne pas pour s'en prendre verbalement à des inconnus. Mais il ne sait pas à qui il a affaire quand il se moque de Jonathan. Jonathan est intimidé par Kevin et la présence de ses amis. Profitant d'un moment d'inattention, il sort un couteau. Dans l'autobus, M. Dulac avait préparé son couteau. Les couteaux étaient dans un sac au préalable. Il avait sorti le plus grand couteau, qui est un couteau de boucherie, l'avait placé dans son poing et dans sa manche et l'avait dissimulé. Prêt à toute éventualité, Jonathan se dirige vers l'avant de l'autobus. Il l'a mis dans sa manche parce qu'il avait peur de se faire piquer avec ou que la gang de jeunes saute dessus puis qu'il arrive de quoi de dangereux avec les couteaux. À ce moment-là, je peux pas dire si Jonathan y avait l'idée de s'en servir ou de leur faire peur ou quelque chose du genre. Il m'a jamais dit ça, en tout cas. Une fois rendu au terminus d'autobus Les Saules, la version des témoins qui est à l'intérieur voit M. Duquet sortir de l'autobus en premier. Kevin rejoint ses amis à l'extérieur, alors que Jonathan tarde à descendre, espérant éviter la confrontation. Anxieux, Jonathan descend enfin et s'éloigne du groupe. Mais Kevin le pousse pour le défier. Jonathan est pris de panique. Il se retourne et le darde d'un geste rapide. L'action est si précipitée que personne ne remarque l'attaque au couteau. Et c'est à ce moment-là que les témoins nous mentionnent que Jonathan Dulac s'est retourné d'un mouvement brusque et aurait frappé d'un coup de poing au niveau du thorax M. Duquet. Jonathan prend immédiatement la fuite et se réfugie dans un autre autobus. Kevin s'approche de la maison des jeunes qui jouxte le terminus d'autobus. Il enlève son manteau et découvre qu'il est gravement blessé. C'est alors que tous remarquent la grande quantité de sang qu'il est en train de perdre. Et le couteau s'est inséré directement là, au niveau du cœur et a frappé en plein thorax ou en centre-masse là, le plus possible, un coup de couteau franc au niveau de la sixième côte et la septième côte.
L'état de Kevin se détériore rapidement et ses amis commencent à s'affoler. Il tombe en arrêt cardiaque. Des témoins de la scène contactent alors le 911 et tentent de lui porter secours. Tout de suite après l'altercation, M. Dulac prend la fuite. Il se dirige dans un autre autobus qui est là, l'autobus numéro 80, monte à l'intérieur de l'autobus. Certains amis de Kevin ont remarqué que Jonathan s'est réfugié dans un autre autobus et s'en approche pour l'en faire sortir. Découvert, il sort de l'autobus et réussit à prendre la fuite juste au moment où les premiers patrouilleurs arrivent sur place. Les policiers sont arrivés sur les lieux après cet événement-là. Lui se sauve et après ça, on perd sa piste. Là. Donc, les policiers, eux, ce qu'ils font dans ce temps-là, étant donné que c'est un événement et un crime grave, communiquent avec leurs supérieurs. La section des crimes graves du SPVQ prend le contrôle de la scène de crime. Quand je suis arrivée sur les lieux ce soir-là, il y avait déjà de nombreux policiers sur la scène de crime et d'autres policiers qui interrogeaient les personnes témoins. C'est un policier qui, à mon arrivée, m'a expliqué que je ne pouvais pas accéder à mon bureau parce que il y avait eu une scène de crime sur le terminus Les Saules. Entre-temps, les ambulanciers transportent Kevin au centre hospitalier de l'Université Laval. Son état est critique. Les médecins découvrent qu'un de ses poumons et que son péricarde, l'enveloppe entourant le cœur, sont atteints. On alerte les parents de Kevin. Ils accourent au chevet de leur fils, mais ignorent encore la gravité de la situation. J'ai eu un appel de son père qui me disait que les policiers l'avaient appelé et que Kevin était à l'hôpital. Donc, j'ai essayé de savoir qu'est-ce qu'il y a, c'est un accident. Puis, la première chose que j'ai pensée, c'est... Il a mangé une volée ou bien il a fait un accident de scooter. C'est les deux choses qui m'ont passé par la tête. Il dit, je sais pas. Ils n'ont rien voulu me dire. Il est au CHUL à Sainte-Foy. Sur la scène de l'agression, les enquêteurs continuent la recherche d'indices pouvant les mener à l'assaillant. Souvent, ce qu'on fait dans le début d'une enquête, on enquête la victime, savoir s'il n'y a pas quelqu'un qui lui en veut ou les relations dernièrement qu'il y a eues avec certaines personnes. On n'avait rien concernant M. Duquette qui pouvait nous amener à un suspect potentiel. Les jeunes qui ont été témoins de l'événement, de toute évidence, ils étaient en état de choc. Ils avaient de la difficulté à trouver les mots pour exprimer ce qu'ils vivaient. Grâce aux indications des différents témoins, ils recueillent plusieurs preuves sur le terrain. Entre autres, des traces de pas et un couteau qu'on a trouvé, Pierre, d'une résidence qui appartenait au suspect potentiel parce que c'était non loin des pistes qui partaient du terminus Les Saules. Jonathan se serait départi de l'arme du crime non loin du terminus d'autobus Les Saules. À l'endroit où il a planté son couteau, les enquêteurs découvrent également son manteau, caché derrière un arbre. Les enquêteurs perdent ensuite les traces du suspect. Ils ont en main d'importants éléments de preuve. Mais parviendront-ils à retrouver l'agresseur de Kevin Duquet? Le 6 décembre 2009, à Québec, Jonathan Dulac poignarde Kevin Duquet à la sortie d'un autobus. Jonathan s'enfuit, laissant des éléments de preuve derrière lui. Kevin, lui, est transporté d'urgence à l'hôpital, où l'on craint pour sa vie. Le téléphone a ressonné, donc c'était le père de Kevin qui me demandait en criant « T'es où? » Et je m'approchais de l'urgence, je voyais le nom urgence et je voyais le 90 degrés corridor. Fait que j'ai dit « J'arrive, calme-toi. » J'ai dit « Pis, qu'est-ce qu'il y a? » Fait que il m'a crié tout haut « Kevin est mort. » Kevin Duquet meurt des suites d'une importante hémorragie interne. À 18h, 2 heures après l'incident, la mère de Jonathan le découvre chez elle en forte discussion avec sa sœur. Elle ne comprend pas le sujet de leur différend et demande des explications à sa fille. Puis il écoutait les nouvelles à la télévision. Puis là, ma fille a dit « Maman, il y a un petit gars qui est décédé au terminus Les Saules. »
Puis là, ben Jonathan, il dit, ben voyons, c'est impossible. C'est quoi? Il a reçu un coup. Oui, je pense qu'il a reçu un coup, mais il est décédé. Fait qu'il dit, ben non, c'est impossible. Il peut pas être décédé s'il a reçu juste un coup. Jonathan réalise alors que quelques heures plus tôt, lors de l'altercation entre lui et Kevin, le coup de couteau qu'il lui a donné a été fatal. Jonathan Dulac n'arrive pas à concevoir qu'il vient de tuer Kevin Duquet. Sous le choc, il demande à sa mère de l'emmener voir sa copine. Il était bouleversé. Puis j'ai dit, bon, ben, prends ton bagage, on va y aller. Il dit, je vais te raconter en roulant. Mais même en me disant ça, j'ai eu aucun soupçon, là, aucun. J'ai embarqué, puis je me demandais vraiment qu'est-ce qu'il allait me raconter. Je voyais aucun rapport avec ce qui venait d'arriver aux nouvelles. En route, Jonathan raconte à sa mère en détail les événements qui viennent de se produire. J'ai pas posé beaucoup de questions parce que je comprenais pas, puis je réalisais pas non plus, loin de là, c'était quelque chose d'impossible. Puis j'ai dit, voyons, je comprends pas, je voulais qu'il m'explique. Fait qu'il m'a expliqué, il dit, j'espérais, il dit, j'y avais dit à Kevin, je veux pas me battre, je veux sortir, puis je veux pas me battre. Puis il dit, j'espérais qu'il me toucherait pas, qu'il me laisserait tranquille, puis que je m'en irais peinard avec mon couteau dans ma manche, puis que j'allais réussir comme ça. Mais il dit, il est arrivé par en arrière, puis il dit, j'ai pas eu le temps de réfléchir, j'ai pas eu le temps de penser, ça s'est fait tellement vite. Il dit, j'ai donné un coup, puis il dit, là, il dit, ça a fait comme dans un film, comme au ralenti. Le geste de Jonathan était extrême. Et c'est un geste de protection. Il a réagi à une agression verbale et physique très légère que, dans sa tête à lui, il lui a donné des proportions incroyables. Et à ce moment-là, il a réagi en fonction de la proportion que lui a donnée à ces gestes-là et non pas en fonction des gestes réels qu'il a reçus. Parce que quelqu'un qui nous insulte, on va lui répondre en l'insultant, à la limite, pas en lui donnant un coup de couteau. Affolé, la mère de Jonathan n'arrive pas à croire ce que son fils lui raconte, jusqu'à ce qu'il passe devant la scène du crime. On passait à côté, puis il était assis à côté de moi. Puis il dit, maman, on est peut-être mieux de pas arrêter, c'était la lumière rouge. J'ai dit, voyons, on va pas en plus passer sur la lumière rouge. Là, je comprenais pas, j'étais tellement... Puis on pleurait tous les deux dans l'auto, j'arrivais pas à comprendre trop, mais je continuais. La mère de Jonathan le laisse au centre hospitalier Saint-Sacrement, où sa copine est hospitalisée. Il tient à passer ses derniers instants de liberté avec elle. Quelques heures plus tard, il contacte sa mère pour aller se livrer aux autorités. C'est vers 11h30 le soir que le suspect s'est présenté à la centrale du Parc Victoria, accompagné de sa mère et d'un avocat également, pour venir se livrer concernant l'événement qui s'était passé le plus tôt dans la soirée. Les personnes ont été rencontrées par des enquêteurs différents et le suspect, lui, a été placé en cellule en attendant qu'une équipe d'enquêteurs ait le rencontré. Le lendemain matin, à 5h30, deux enquêteurs amènent Jonathan dans une salle d'interrogatoire. C'est une entrevue qui dure quand même près de 3 heures. Où, en entrée de jeu, les enquêteurs, bien entendu, posent des questions pour avoir le plus de bagages possible concernant sa vie, ses antécédents, comment ça se passe. Les policiers découvrent que Jonathan a lui-même été longtemps victime d'intimidation, jusqu'au jour où, en 5e année, il a décidé de réagir. Cette fois-là, il décide de se défendre en se jurant que plus personne n'aura ce genre d'emprise sur lui. Il comprend alors qu'il y a deux camps, celui des agresseurs et celui des victimes. Jonathan entre au secondaire avec ce lourd bagage. Avec le temps, il se forge une identité un peu marginale. De nature timide et réservée, il préfère la solitude à la compagnie de ses pairs. En 2005, les parents de Jonathan divorcent. L'adolescent prend très mal cette séparation et se désinvestit des relations familiales. Il commence alors à fumer régulièrement de la marijuana et à boire de l'alcool. Il déambule parfois de longs moments, seul dans la rue.
Lui, ce qu'il voulait, c'est aller vivre dans le bois seul avec sa conjointe, puis tuer ses propres animaux pour survivre. Il avait mentionné à ses parents qu'il trouvait qu'il y avait trop de monde sur la Terre, qu'on devrait en éliminer. D'aller vivre dans le bois, de se retirer de la société, c'était assurément un signe qu'il en était rendu à considérer l'ensemble de la société comme étant menaçante pour lui et qu'il préférait s'en retirer. Jonathan semble, dans son parcours, un peu jeune pour prendre ce genre de décision-là, ce qui fait qu'on peut penser que sa santé sociale était relativement en mauvais état au moment où il annonçait ce type d'intention-là. Il est probable que Jonathan aurait pu bénéficier de l'accompagnement d'un intervenant, quel qu'il soit, un intervenant en milieu scolaire, un travailleur de rue, un intervenant en maison de jeunes. Je pense que tous les jeunes devraient pouvoir bénéficier de l'accompagnement d'un intervenant pour cheminer au travers des épreuves auxquelles il fait face ou des défis auxquels il fait face. La mère de Jonathan perçoit sa détresse et tente de l'aider en s'intéressant à son univers. Elle participe même à un jeu médiéval où Jonathan semble trouver refuge. C'est un monde de role-play, c'est un monde théâtral, c'est un monde où ils sont en marge de la société, où ils sont en reclus un petit peu et où ils vivent, tout va bien, tout est beau. Puis je pense que quand ils vivaient dans ces mondes de fin de semaine-là, peut-être que c'est ce qu'ils auraient voulu pour vrai. Malgré les tentatives de rapprochement de sa mère, Jonathan se fait de plus en plus distant. Il commence alors à squatter chez des gens qu'il rencontre. Et lorsqu'il revient chez sa mère, son attitude est des plus cavalières avec elle. Sans jamais user de violence directement contre sa mère ou ses sœurs, Jonathan n'hésite pas à briser des objets pour manifester sa colère. Les signes que Jonathan voyait étaient plus des signes de détresse personnelle que des signes de violence à venir. Cette détresse-là se manifestait de façon violente, mais se manifestait rarement ou jamais envers des individus. Il lançait des objets, il criait, il tapait du pied, il frappait dans des murs. En secondaire 4, les problèmes de Jonathan se répercutent sur son intérêt envers les études. Déprimé, il décroche et commence à adopter un style de vie plus anarchique. Jonathan augmente sa consommation de drogue. Sa mère s'inquiète et tente de chercher de l'aide professionnelle. J'en avais parlé à un psychologue quand j'ai fait tous mes appels. Je lui disais que Jonathan, il y avait des conversations du genre « il y a trop de monde sur la terre, il y a trop d'auto, ça n'a pas de bon sens. » Puis on m'a répondu, puis à deux reprises, « Faites-vous-en pas, madame. Les jeunes de cet âge-là, ils parlent rien que de ça. » Le monde me disait, « On peut pas intervenir. » Puis il y en a même qui m'avait répondu, « La seule chose qui pourrait vous aider, c'est que si jamais il fait quelque chose d'anormal, de pas correct, appelez le 911. » Puis je me disais, « Voyons, appelez le 911. » En 2008, une lueur d'espoir semble poindre à l'horizon. Jonathan fait la rencontre d'une fille dont il tombe follement amoureux. Il retrouve un bonheur qu'il n'avait pas vécu depuis longtemps. La même année, il s'inscrit à une école de boucherie. Les inquiétudes de sa mère s'apaisent. Mais le bien-être de Jonathan est de courte durée. Sa copine souffre d'un trouble de personnalité limite qui la rend instable émotionnellement. Chicanes et réconciliations deviennent fréquentes et pèsent lourd sur le moral déjà fragile de l'adolescent. Au cours de l'interrogatoire, les enquêteurs tentent d'établir un lien de confiance avec Jonathan. Il mentionne aussi aux enquêteurs qu'il a un mal de vivre depuis maintenant au moins 6 mois. Il dit qu'il avait envie de se suicider, qu'il était tanné de vivre. 6 mois avant le meurtre, Jonathan et sa copine ont une terrible dispute. Il s'était chicané avec sa copine parce qu'elle voulait s'en aller, puis elle m'a appelé.
puis elle m'a dit, « Sonia, Jonathan, je pense qu'il est en crise. Je m'en vais, puis il veut pas, puis il est en train de casser des affaires dans la maison. » Puis là, j'ai demandé à sa copine, « Est-ce que t'as peur? » Puis elle m'a dit, « Non, mais il va pas bien. » Fait que j'ai dit, « OK, j'ai dit, on va aller le trouver. » Puis là, ben, mon conjoint de l'époque m'avait dit, « Non, on va pas le trouver. T'appelles le 911, c'est le temps, c'est là. » Fait que j'ai appelé le 911. Et ça m'a pris tout mon change. La mère de Jonathan appelle à l'aide et demande aux autorités de se présenter à l'appartement de son fils afin de lui porter secours et de s'assurer qu'il ne commette aucun geste grave. Elle se rend également chez Jonathan pour soutenir son fils en état de crise. Même s'il n'a jamais usé de violence à l'endroit d'un proche, se pourrait-il que Jonathan Dulac souffre de troubles mentaux qui le conduiront à commettre le meurtre de Kevin Duquet? Après avoir cherché plusieurs fois du secours afin de venir en aide à son fils en détresse, la mère de Jonathan Dulac se résout à avoir recours aux policiers. La femme est déchirée par sa décision. Lorsqu'elle assiste à l'intervention policière, elle ne peut réprimer sa peine. Il m'a regardé, il avait pas l'air de comprendre. J'avais l'impression de le trahir. Fait que j'ai embarqué dans l'auto de police avec Jonathan, puis j'ai essayé de le rassurer, puis de dire que ça allait bien aller, puis que c'était juste pour... évaluer s'il faisait une petite dépression ou quelque chose. Les policiers conduisent Jonathan à l'hôpital, où on le soumet à plusieurs examens. Les médecins concluent qu'il ne souffre d'aucune pathologie. Et dès le lendemain, il reçoit son congé. Je me suis dit, ben donc, il n'y en a pas de solution, il n'y en a pas. Jonathan, il va falloir qu'il vive sa peine, puis qu'il vive ça tous les jours, puis qu'il essaye d'être heureux tout seul. Puis j'avais l'impression d'avoir aucun... de ne pas pouvoir rien faire. Trois mois avant le meurtre, Jonathan devient de plus en plus perturbé. Le 30 septembre, incapable d'endurer plus longtemps ses excès de colère, sa copine décide de rompre avec lui. Ébranlé, il profère des menaces de suicide et d'homicide. Alertée, la mère contacte les autorités une deuxième fois. J'ai rappelé le 911. Puis là, je les ai dit, j'ai mis le paquet. J'en ai mis plus que pas assez pour qu'ils viennent la chercher. Puis je me disais, peut-être qu'ils vont regarder encore puis qu'ils vont faire quelque chose. Ils se sont rendus chez Jonathan et sa conjointe et ont procédé à l'arrestation à l'intérieur des troubles à ce moment-là là, qui leur semblaient de nature mentale pour le conduire à l'hôpital pour qu'il soit examiné par un médecin. Et lors du transport en ambulance, Jonathan a demandé aux policiers de lui tirer une balle dans la tête pour qu'il en finisse. Malgré les idées suicidaires de Jonathan, l'équipe soignante en vient encore à la même conclusion. Il ne souffre d'aucun trouble. Je suis allée le retrouver à l'hôpital. Puis là, il m'a dit, « Maman, il dit, il faut que tu me sortes d'ici. » Parce qu'il dit, je pourrais pas te faire ça. Fait que quand je suis allée voir le psychologue avec lui à l'hôpital, le soir même qu'il est rentré. Puis le psychologue, il m'a dit, « On peut rien faire, Jonathan, il est correct. Il est juste down, puis il dit, on a passé un pacte. Il atteindra pas à sa vie, puis il fera rien, puis vous pouvez le ramener. » Fait que je suis repartie avec Jonathan. Là, à l'hôpital, ils n'ont pas le choix. Ils doivent respecter le fait que si la personne décide qu'elle ne veut pas de traitement, elle peut s'en aller. Mais dans le cas présent, c'est un jeune qui allait tellement mal qu'il n'était même plus capable de décider adéquatement pour lui. Il avait besoin de soins, mais il n'était pas capable de le demander. Pendant les deux mois suivants, à la grande surprise de sa mère, l'état de Jonathan s'améliore. Je trouvais que là, il prenait du mieux, il prenait du mieux, il était plus heureux, il était pas encore à sa forme totale. C'est sûr que s'il faisait une petite dépression, c'est pas en deux mois que tu règles tout ça. Le 4 décembre 2009, deux jours avant le meurtre,
Jonathan emprunte des couteaux à un de ses amis de l'école de boucherie pour se pratiquer avec des outils de travail de qualité supérieure. Il les aiguise. Deux jours plus tard, alors qu'il doit rendre les couteaux à son ami, le hasard le met sur la route du jeune Kevin. Le 7 décembre 2009, Jonathan Dulac dévoile aux enquêteurs les raisons qui l'auraient poussé à poignarder Kevin Duquet. Intimidation, pensées suicidaires et émotions instables l'auraient fait réagir aux provocations de l'adolescent. Toujours incarcéré au poste de police du parc Victoria à Québec, Jonathan est officiellement accusé de meurtre non prémédité. Qu'il se soit rendu si rapidement dans les 24 heures après l'incident, pour moi, c'est un indice qu'il a réalisé la portée de son geste. Donc, il est sensible qu'il a des répercussions au geste qu'il a posé. C'est aussi un signe qu'il est prêt à en être responsable. Fait qu'on est en présence de quelqu'un qui, malgré la violence de ce qui a été vécu, puis malgré l'ensemble de son développement, c'est encore quelqu'un qui réfléchit. Le 29 janvier 2012, plus de 2 ans après les faits, Jonathan Dulac plaide coupable à une accusation d'homicide involontaire. Le 15 février, il écope d'une peine de prison de 10 ans. Je pense qu'il y a un petit bout d'école de la vie là-bas quand même qui va aider Jonathan à... pas à redresser, mais à apprendre peut-être ce qu'il n'a jamais appris. Là. Le tragique événement restera gravé à jamais dans la mémoire des proches de Kevin. On a vu Kevin. On a naturellement enlevé son drap sur son corps. Il est encore intubé. On a les yeux ouverts. J'ai perdu un petit peu la notion du temps parce que, bon, je le flattais, puis là, on m'avertissait que j'avais pas le droit de le toucher. La mort de Kevin Duquet sème la consternation. Parents et amis se recueillent à sa mémoire chaque année à la Maison des jeunes. Les jeunes qui ont été témoins de l'événement, de toute évidence, ont été extrêmement troublés de cet événement-là, bouleversés. Pour plusieurs d'entre eux, ça a été un cheminement très, très long avant de cesser de revoir ces images-là, avant de pouvoir penser à leur vie puis se recentrer sur leurs objectifs. Un deuil, c'est difficile à tout âge. Je pense qu'un deuil dans l'adolescence, c'est encore plus difficile parce que notre réseau change beaucoup. Nous-mêmes, on est en changement. Donc, peut-être que nos bases sont un peu moins solides pour passer au travers d'un deuil, là. Donc, pour plusieurs d'entre eux, ça a été un processus très difficile et très long. Mon fils méritait pas de mourir de cette façon-là. Il n'y a pas personne qui mérite de mourir de cette façon-là. C'est pas la violence qui règle les choses. On ne devrait jamais sous-évaluer le danger que représente une simple bravade parce qu'on ne connaît jamais l'état d'esprit de la personne à qui on s'attaque. En présence d'un intimidateur, certaines victimes pourraient revivre des traumatismes et commettre l'irréparable. On se doit d'intervenir, autant auprès des victimes d'intimidation en les encourageant à briser le silence, auprès des intimidateurs pour leur faire prendre conscience de la portée de leurs actes. Je trouve que Jonathan, même s'il vit des choses difficiles, je trouve qu'on est chanceux. On est chanceux qu'ils soient encore là. Vivez le moment présent avec vos enfants. Vivez au jour le jour. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Dites-leur que vous les aimez. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir? Cette émission vous est présentée avec vidéo description. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir. Et ils n'arrivent pas à y croire.
Il y avait beaucoup de violence physique, un comportement de négligence envers les enfants aussi, qui est un autre signe qu'il peut y avoir une situation où il y a un risque d'homicide. Elle pouvait pas s'en aller. Elle pouvait pas prendre ses enfants. Alors, Marjolaine s'est dit, quand David, le plus jeune, aura 18 ans, bye-bye, mon cowboy, on s'en va. Malheureusement, c'est pas ça qui est arrivé. Il était trop agressif et trop arrogant. On pouvait pas le raisonner. On pouvait pas converser normalement avec lui autour d'un café ou d'une bière. Non. C'est préoccupant quand même de se rendre compte que pendant 18 ans, cet homme-là a pu faire la pluie et le beau temps. Et qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait pour protéger cette femme-là? Le 23 septembre 1992, vers 9h du matin, Samuel termine son café dans son appartement de Montréal. Je suis à la maison et moi, souvent, très souvent, j'ai un écran de télévision sans son. Mon ami m'appelle de Trois-Rivières, alors je réponds. Elle me dit, « As-tu une sœur qui s'appelle Marjolaine? » J'ai dit oui. Marjolaine, 35 ans, a 3 ans de plus que son frère Samuel. La famille a été élevée dans un village des Laurentides, au nord de Montréal. On habite la campagne, alors c'est tranquille, il n'y a rien de dangereux. Et jamais, jamais, au grand jamais, j'ai vu mon père, ma mère, faire la gueule, hausser le ton envers un ou l'autre. Jamais, on n'a jamais connu ça. Ils nous ont élevés dans l'amour, dans la paix, dans le partage. La famille est tissée serrée. Mais depuis que Marjolaine est allée vivre avec son conjoint Maurice, elle a pris ses distances. Mais au départ, leur relation, il l'amène chez lui, il habite dans le même village de la campagne, mais plus loin, dans un rang. Puis il l'amène là. Elle vit à l'écart, elle vit sur une autre planète, tellement qu'on ne la voit pas. Au téléphone, l'ami de Samuel le questionne sur sa sœur Marjolaine. Et en même temps, quand elle me demande si j'ai une sœur qui s'appelle Marjolaine, je regarde l'écran de télé et je vois et je m'aperçois que c'est la maison de Marjolaine. Plusieurs voitures de police sont stationnées sur le terrain de la maison de sa sœur. L'étonnement fait place à un sentiment de panique. Et je suis certain que Maurice l'a tué, elle et les enfants. Marjolaine a 17 ans quand elle fait la connaissance de Maurice en 1973. You're really nice. Elle était très gentille. She used to work elle travaillait au restaurant bien avant qu'on en devienne propriétaire. On allait manger là, ma femme et moi, avant qu'on se marie. Elle était serveuse. Ça se passe dans les années 70 et Maurice arrive au village. Il est quand même assez impressionnant. Il mesure 6 pieds 3, bien bâti, bien en forme. Il a un beau look. Il travaille en face comme mécanicien à la station-service qui est juste en face du restaurant d'où il va manger le midi ou chercher un café le matin. Pour Marjolaine, c'est le coup de foudre. Maurice est le prince charmant de ses rêves. C'est une petite fille très enjouée, très, tu sais, une vraie fille, là, très féminine et tout, là. Une belle fille aussi, très belle, oui. Marjolaine est une jeune femme dynamique et sans malice. Elle vient de découvrir le grand amour et la vie lui sourit. Quand il la rencontre, Marjolaine, 17 ans,
Et elle devient enceinte du premier bébé, qui est une fille, France. Et elle va avoir 18 ans. Marjolaine est confiante et la perspective d'avoir un enfant l'enchante. En même temps, Samuel et les membres de sa famille commencent à se poser des questions. Elle change beaucoup, elle change. Mais on n'a pas l'occasion de se voir, on n'a pas l'occasion d'avoir le temps. Il semble qu'elle n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps, elle est comme... Elle est toujours à la course. Son attitude change. Quand il est sur place, quand il est là, elle est nerveuse. On dirait qu'elle vit sous tension. Mais on connaît pas l'histoire. Quand elle est enceinte de 8 mois, elle porte trop attention à son ventre. Monsieur, ça fait pas son affaire. C'est un homme très possessif, très jaloux. Et c'est le portrait des hommes qui ont tué leur conjointe habituellement. Et donc, la présence d'un enfant, ben, il n'y a plus sa femme pour lui. Il devient colérique envers Marjolaine et la bat à coups de pied, à coups de poing, jusqu'à ce que Marjolaine perde connaissance. Là, on est au mois de décembre. Il neige, fait froid. Il la traîne à l'extérieur jusqu'à temps qu'elle revienne à elle, au froid et à la neige. C'est sa première fois, puis c'est de sa faute parce qu'elle porte trop d'attention à l'enfant qui est dans son ventre, qui va naître. Et le cycle, ça veut dire qu'il y a de la violence, ça arrête, il y a une lune de miel, il y a un arrêt d'agir, les hommes amènent des fleurs de chocolat, ça va bien quelques semaines, puis paf, oups, ça recommence. C'est ça le cycle de la violence. Samuel visite sa sœur à l'occasion pour prendre des nouvelles. Marjolaine apprécie ses rencontres, mais Maurice, non. Bientôt, il lui interdit de communiquer avec ses frères et sœurs. Et elle était coupée, isolée de sa famille, parce que dès le départ, hein, elle n'avait plus le droit de voir sa famille, de voir ses frères, de voir ses sœurs. Elle était très isolée. Donc, avec un faible réseau social, c'est plus difficile d'avoir de l'aide à ce moment-là. Graduellement, on a perdu notre sœur. On l'a perdue, c'était plus la même, c'était une femme contrôlée, apeurée, c'était plus la même. Et jamais, comme elle s'est jamais plainte, ça fait qu'on se demandait dans quelle merde elle vivait. Le premier enfant du couple, la petite France, naît en 1974. 2 ans plus tard, c'est au tour de David. Marjolaine a alors 20 ans. Elle était dévouée à ses enfants à 100%. Elle s'occupait bien d'eux. Elle travaillait jour et nuit. Elle travaillait plus fort que bien des hommes. Le matin du 23 septembre, quand les policiers arrivent sur les lieux du drame, ils s'attendent à trouver Marjolaine baignant dans son sang. Au village, la réputation de Maurice n'est plus à faire. Je pense que beaucoup de monde avait peur de lui parce qu'il savait de quoi il était capable. Si quelqu'un parlait contre lui, il allait tout de suite cogner à sa porte. Comme la plupart des gens n'aiment pas le trouble, il le laissait faire. Il mesurait à peu près 6 pieds 1 et il était très imposant, environ 240 livres. Il essayait de faire peur à tout le monde. C'est du moins mon opinion. Les policiers entrent dans la maison. Ils sont surpris d'y découvrir Marjolaine et sa fille France. L'enquêteur monte à l'étage. Dans la chambre des maîtres, il trouve Maurice étendu de travers sur le lit, atteint de plusieurs projectiles. Un revolver Colt de calibre 38 est par terre près de la porte. Dans la cuisine, France sanglote à chaudes larmes. Le policier en conclut que c'est elle qui a tiré sur son père. Il s'approche d'elle pour lui passer les menottes. C'est à ce moment que Marjolaine intervient. Et là, Marjolaine dit « Non, 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 vous faites erreur. C'est ma fille. Je suis coupable. » Marjolaine dit-elle la vérité? A-t-elle tiré sur Maurice ou cherche-t-elle à protéger sa fille? Que s'est-il donc passé dans cette maison des Laurentides?
le 23 septembre 1992, dans une maison isolée des Laurentides. Les policiers découvrent le corps d'un homme atteint de 3 balles. Marjolaine, sa conjointe et la mère de ses 2 enfants, prétend être celle qui l'a tiré. Maurice a 20 ans quand il débarque dans le village des Laurentides où habite la famille de Marjolaine. Il a de grandes ambitions. Je l'ai rencontré il y a au moins 35 ans. Il voulait démarrer une entreprise de remorquage. Et il a commencé à faire du déneigement. On vivait dans un petit village et on a convenu de faire affaire avec lui. Maurice n'a pas peur du travail et il cumule plusieurs emplois. Il travaillait fort. Il travaillait très fort. Il coupait du bois, il faisait du déneigement et du remorquage. Il était travaillant. Il réparait aussi des voitures et sa propre machinerie dans un atelier. Il n'arrêtait jamais de travailler. Maurice a eu une enfance difficile. Il s'est révélé turbulent, agressif. Ses parents, incapables d'en venir à bout, l'ont envoyé séjourner à Boscoville, une institution qui accueille les jeunes délinquants. C'était déjà mal parti. C'est sûr que en plus, il se fait envoyer là par ses parents de force et en plus de côtoyer des jeunes délinquants, probablement qui ont le même style, le même parcours de vie. Donc, ça peut venir renforcer certains de ses comportements, venir cristalliser ce qui était déjà là à la base. Quand elle le rencontre, Marjolaine ignore les carences affectives de son conjoint. La vie de famille dont elle a rêvé est aux antipodes de ce qu'elle vit. Il y a un climat qui s'installe de jour en jour. Donc, la personne, à un moment donné, ne se voit plus normalement. Elle se voit toujours sous le regard de l'autre qui lui dit toujours « tu fais dur, t'es laide ». À ce moment-là, où si on n'avait pas de téléphone cellulaire, il partait travailler, il amenait le téléphone avec eux autres, barrait les portes. Il ne pouvait pas sortir de la maison. Okay? Donc, vous voyez, l'univers se rétrécit. Un jour, alors que j'entrais au dépanneur, je vois une amie qui me dit qu'elle a vu Marjolaine avec un œil au beurre noir. Et Marjolaine avait toujours une excuse. Elle s'est cognée sur une porte. Elle avait toujours une excuse. Il est un tyran, mais avec nous, il est transparent, ça ne paraît pas. Il est gentil, poli, il se comporte bien, mais on sent une certaine tension de la part de Marjolaine quand il est là. Elle vit, on dirait qu'elle est assise sur de la dynamite et que ça va exploser. Maurice ne boit pas souvent, mais quand il commence, il ne sait plus s'arrêter. Il pouvait commencer à boire le vendredi et s'arrêter le dimanche. Je me souviens du soir où je l'ai rencontré à l'hôtel. Je ne le connaissais pas. J'étais assis tranquille. Je venais de terminer mon quart de travail à Montréal. J'étais là pour relaxer, prendre quelques bières. Puis il a commencé à m'agacer. Puis il est devenu violent. Il était saoul, il voulait une bière. En 1977, Marjolaine, qui ne sait plus comment neutraliser le climat de violence qui règne à la maison, se réfugie chez sa mère avec le petit David, âgé d'un an. La mère de Marjolaine décide d'appeler la police. Un policier débarque chez Maurice et parlemente avec lui. France, la fille aînée du couple, est restée chez son père. Au téléphone, Maurice annonce à Marjolaine que si elle le quitte, elle ne reverra jamais sa fille. Coincée, Marjolaine finit par rentrer chez elle avec son fils. Elle le savait aussi que si elle partait, par exemple, il gardait un enfant avec lui pour s'assurer qu'elle revienne. Okay? Il avait peur qu'elle revienne pas. Il savait que c'était possible. Sauf qu'il n'était pas fou d'une certaine façon. Il disait, ben, regarde, en gardant le fils ou en gardant la fille à la maison, elle va revenir pour les enfants. Donc, ça va jouer beaucoup là, dans cette situation-là. Quelques temps plus tard, toujours en 1977, Marjolaine, après mûre réflexion,
se décide à demander de l'aide à la Sûreté du Québec. Elle raconte aux policiers que son conjoint la bat. Il allait sur place, mais il ne pouvait pas rien faire. Il y avait pas, c'était pas sur leur juridiction. S'il n'y a pas de témoin ou de menace, ils font rien. Tant qu'il t'arrive pas quelque chose. Et puis là, c'est trop tard. Deux ans plus tard, en 1979, Marjolaine fait une nouvelle tentative de fuite. En cachette, elle entreprend de déménager avec ses deux enfants dans un appartement qu'une amie lui a trouvé. Mais Maurice la prend et la ramène de force. Marjolaine n'a d'autre choix que de réintégrer le domicile familial et demander pardon. Dans le fond, elle veut pas qu'on la juge de ne pas le quitter. C'est pour ça qu'elle va pas en parler. Puis c'est la honte aussi de vivre avec un conjoint violent. Ça, c'est un trait chez toutes les femmes qui vivent la violence conjugale. C'est la honte de s'être retrouvée là-dedans. Plus les enfants grandissent, plus la violence de Maurice est manifeste. Ses enfants lui appartiennent. Il peut en disposer comme il veut. Les enfants devaient travailler jour et nuit, après l'école, le samedi, le dimanche. Ça n'avait pas d'importance. Ils étaient forcés de travailler. Dans le fond, c'était devenu ses objets à lui. Donc, il était là, donc il s'en accommodait, je dirais. Mais c'était ses objets, comme sa femme était son objet. Puis il les contrôlait, il les dominait par la violence. Maurice a l'habitude de conduire en fou. Dans les années 80, il a un grave accident d'automobile. Son accident d'auto a failli le tuer. Et à partir de ce moment-là, les choses ont empiré. Il devenait très agressif et on ne pouvait même pas lui parler. Il était hors de contrôle. Not there. Out of control. Et à un certain moment donné, il est sur son lit d'hôpital. Il y a une discussion entre ses parents et lui-même. Et à la sortie de la chambre d'hôpital, sa mère s'est retournée vers lui. Elle lui a dit « C'est dommage que tu sois pas mort dans ton accident. » Quand on est enfant, on recherche l'affection des gens. Et clairement, il pouvait pas l'avoir. Donc, c'est venu biaiser, teinter ses autres relations. Avec madame, ils se sont rencontrés très jeunes, mais je suis certaine que s'il y avait eu plusieurs relations, il y aurait eu la même dynamique de violence qui se serait poursuivie. La mort de Maurice ayant été confirmée, Marjolaine est mise en état d'arrestation et comparée au palais de justice le 23 septembre 1992. Quand on s'en va au palais de justice, on est dans l'auto, maman s'excuse, elle dit « Si votre père était vivant aujourd'hui, quand on était jeune, par inadvertance, on brisait une vitre chez un voisin en jouant à la balle. Papa disait à maman, faites-en pas, ils n'ont pas tué personne. Maman disait dans l'auto, en pleurant, votre père ne pourrait pas me répondre ça. Et en plus, je m'excuse au nom de votre père. On vous a tous appris le partage, l'amour. Mais on a oublié à vous montrer, à vous défendre. Marjolaine avait mille raisons d'en vouloir à son mari. Mais l'enquête préliminaire va révéler que ce crime a permis d'éviter une tragédie encore plus grande. Le 23 septembre 1992, Marjolaine, alors âgée de 35 ans, avoue avoir assassiné son mari. Elle est aussitôt mise en état d'arrestation. Alors, à l'arrivée de Marjolaine au palais de justice avec les deux policiers, les deux enquêteurs, elle descend de la voiture et je marche vers elle. Et quand elle aperçoit sa mère qui est là, elle se met à pleurer et baisse la tête. Souvent, on va dire que c'est l'affaire des femmes que le couple aille bien, de maintenir le couple en santé. Puis là, elle faillit à sa tâche, dans le fond, là, parce qu'elle se retrouve dans une situation où il y a de la violence, où les enfants se font battre également. Donc, elle devait vivre beaucoup de honte et de culpabilité aussi. Et je lui hurle, « T'as pas le droit de baisser la tête, t'as pas le droit d'avoir honte, marche ta tête haute. » Au palais de justice, où elle doit comparaître le jour même de son arrestation, les procédures sont retardées.
Marjolaine est gardée quelques jours à la prison Tanguay. Et là, les enquêteurs viennent nous visiter, nous poser des questions. Ils m'ont dit, ceux qui sont censés d'enquêter contre Marjolaine, m'ont dit, cette femme-là ne mérite pas d'aller en prison. Elle vient de faire son temps avec son bourreau. Alors, vous allez aller chercher le plus de témoignages, le plus de témoins, le plus d'événements pour être prêt au procès. Libérée sous caution, Marjolaine subit enfin son enquête préliminaire le 15 février 1993. Son avocate l'encourage à révéler quel sommet l'escalade de violence de Maurice avait atteint au fil des ans. En 1981, alors que David a 5 ans, Maurice fait travailler son fils comme à son habitude. Et comme toujours, il le traite de maladroit et de bon à rien. Il ajoute qu'un jour, il va creuser un trou et l'enterrer vivant. David est terrorisé. Où il y a des menaces directes, je vais te tuer, tu vas y passer. Mais la plupart des menaces, je dirais que c'est comme des menaces indirectes, où on ne dit pas clairement, mais par notre comportement, on va laisser croire à la personne qu'elle est en danger de mort. Et de par la relation qu'il avait avec ses enfants, de par les comportements de violence qu'il avait à leur endroit, c'est clair que les enfants allaient croire à avait cette crainte, cette peur de mourir. À l'école, David parle à son professeur des menaces de son père. C'est si terrible que son professeur ne le croit pas. L'enfant se referme sur lui-même. Il prend l'habitude de ne plus parler de ce qui se passe à la maison. Quelques semaines plus tard, Marjolaine tente à nouveau de quitter Maurice. Elle va vivre à Québec. Dans l'espoir de minimiser la colère de son mari, elle n'emmène pas ses enfants. Mais en discutant avec une amie, la possibilité que la DPJ ait vent de leur situation familiale vient sur le tapis. Marjolaine s'inquiète. Devant la perspective intolérable de voir placer ses enfants, elle décide de rentrer à la maison. C'est la dernière tentative de fuite de Marjolaine. À partir de 1982, elle se replie sur elle-même. Elle devient amorphe, se laisse frapper sans répliquer. Elle attend l'ultime libération. On aurait pu offrir de l'aide à madame. Vous savez, madame, vous pouvez sortir. Il existe des endroits qui peuvent vous protéger. C'est sûr que monsieur aurait pu porter plainte de kidnapping pour les enfants. Par contre, si madame était, par exemple, allée en hébergement, les policiers, au moment où ils les auraient retrouvés, les accusations n'auraient pas été retenues à ce moment-là. Malheureusement, souvent, les femmes connaissent peu leurs droits. Et si elle avait su ça, même si elle n'était pas mariée, elle aurait pu partir avec ses enfants. Les mauvais traitements reprennent de plus belle. L'agressivité de Maurice finit par lui faire perdre un important contrat avec la municipalité. Il était très, très agressif. Il ne voulait pas négocier. On avait des problèmes avec lui. Il chargeait trop cher et on a dû mettre fin à son contrat. On lui a dit, assez, c'est assez. On ne se battra pas avec toi. Et on a trouvé quelqu'un d'autre pour faire le remorquage. Marjolaine attend après le dîner, était à l'évier en train de faire la vaisselle. Maurice entre dans la maison et demande tout bonnement s'il y a eu le contrat en question pour le terrain. Il n'a jamais répondu. Il a pris une poêle en fonte qu'il avait sur la cuisinière puis il l'a assommé avec la poêle en fonte. Les années passent, rien ne change. Les enfants ont beau vieillir, ils demeurent sous l'emprise de leur père. Tout était par permission. Tout. Si t'arrives à la table, c'est parce que monsieur t'a invité. Tu t'assois. Tu peux pas manger. Faut que tu demandes la permission. Admettons que t'es en train de manger, t'as envie. Tu dois aller à la salle de bain. Tu demandes la permission. Et si monsieur veut pas, tu restes là.
C'est comme ça qu'il a élevé les... ça s'appelle pas élever, qu'il a dirigé ses enfants. C'est comme un bootcamp. Ces enfants-là, ils fonctionnaient à la permission puis et de peur. Mais c'était son mode de fonctionnement relationnel, dans le fond, d'utiliser la violence. Puis comme ça marche, parce qu'il obtenait ce qu'il voulait, donc il n'y avait pas de raison de s'arrêter. Et probablement, quand un comportement moins grave ne fonctionnait plus, mais là, il passe à un niveau supérieur. En 1992, au début du mois de septembre, Maurice et son fils cordent du bois de chauffage. Celui-ci mesure la corde de bois et constate qu'une bûche dépasse des autres. Il a lancé le ruban à mesurer en direction de son fils. Et il a atteint la tête. Ça l'a blessé. Il aurait pu le tuer s'il l'avait atteint à la tempe. Il pourrait être mort aujourd'hui. Le sang coule. David prend ses jambes à son cou. Son père lui crie de revenir, mais le jeune homme court plus vite et Maurice est incapable de le rattraper. David se réfugie chez un ami. Et de là, le père du garçon de son ami lui a demandé pourquoi il était ici, qu'il était là. Et il a eu le courage de dire que son père l'avait battu. Et le père de l'ami en question a regardé la plaie. Et le père a emmené David à l'hôpital. Et à l'hôpital, David n'était pas majeur. L'infirmière lui a demandé qu'est-ce qui s'était passé. L'infirmière a demandé la DPJ, la dame de la DPJ. Elle a dit, quand la DPJ débarque dans une famille dysfonctionnelle, elle dit, la bombe à retardement est déclenchée. La DPJ place alors David en famille d'accueil pour le protéger de son père. À partir de ce moment-là, Marjolaine sait que le compte à rebours est commencé. Ce qu'elle redoute depuis des années est sur le point d'arriver. Le 22 septembre 1992, il y a déjà deux semaines que David, le fils de 17 ans de Marjolaine et Maurice, vit en famille d'accueil après avoir été agressé par son père. Ce jour-là, Maurice entreprend de modifier une de ses armes à feu pour qu'elle contienne davantage de projectiles. Maurice collectionne les armes à feu. Il y en a partout dans la maison, de tous les calibres. Il possède des munitions pour chacune d'elles. À la campagne, tout le monde a des fusils pour la chasse. Mais lui, il y avait des armes pour d'autres raisons, j'en suis certain. La présence d'une arme à feu dans une maison va augmenter de 3 fois le risque d'homicide et de 5 fois le risque de suicide. Ce jour-là, durant l'après-midi, Maurice envoie France et Marjolaine au club vidéo louer un film. À leur retour, quand Marjolaine aperçoit l'arme entre les mains de Maurice, elle sent que quelque chose se prépare. Maurice oblige alors sa femme et sa fille à l'accompagner chez un armurier afin de se procurer une pièce nécessaire pour modifier son arme. Quand ils reviennent, Maurice demande à France de téléphoner à son frère, placé en famille d'accueil, et qu'il n'a pas le droit de contacter. Il veut que David rentre à la maison pour lui servir de chauffeur parce qu'il est sur le point de perdre son permis. France appelle son frère. Elle lui parle, puis demande s'il veut parler à son père. Maurice arrache le téléphone des mains de France. Maurice doit passer en cours le lendemain. Il est certain qu'il va perdre son permis de conduire. Je ne sais pas si c'est pour excès de vitesse, je ne sais pas. Il va perdre son permis de conduire et il a besoin de son David, que son David revienne à la maison. Malheureusement, David ne veut pas revenir. Le ton monte. Maurice demande alors à David s'il considère l'homme de la famille d'accueil où il habite comme son père. David répond oui. Il est en colère. Ça commence. Ça va mal. Maurice semble au bord de l'explosion. Pour Marjolaine, il ne fait plus aucun doute que Maurice est sur le point de tourner son arme contre elle et sa fille. Après avoir raccroché, Maurice réalise qu'il y a 8 messages sur le répondeur.
tous d'un même jeune homme qui veut parler à France. Maurice lui dit qu'il ne veut plus que le garçon l'appelle. Cette fois, France lui tient tête. Elle répond que c'est un ami et qu'elle a le droit d'avoir des amis. Maurice attrape un long niveau posé dans le coin d'un mur et la frappe à la tête. Marjolaine, à bout, lui crie d'arrêter. Sinon, elle appelle la police. En guise de réponse, Maurice monte à sa chambre. Marjolaine reste avec sa fille, qu'elle tente de consoler. Maurice redescend, alors armé d'un calibre 38. Il menace les deux femmes et dit qu'il va les tuer. Il les tient responsables de tout ce qui lui arrive. Marjolaine est certaine que leur heure est arrivée. Bien, c'est sûr que dans le climat dans lequel elle se trouvait, c'est sûr qu'il allait mettre ses menaces à exécution. Parce qu'à chaque fois, il augmentait ses comportements de violence. Maurice oblige Marjolaine et France à monter à l'étage pour écouter le film en famille. Ils se couchent dans le grand lit. Marjolaine essaie de se faire toute petite dans le lit d'à côté. Marjolaine ne couchait pas dans le lit conjugal. Marjolaine couchait par terre à côté comme un animal. Pour partir de son lit simple, pour sortir de la chambre, elle devait passer par-dessus le lit double. Ils écoutent le film. Tout le long, Maurice garde son Colt 38 à portée de main. Le film terminé, France regagne sa propre chambre. Marjolaine veut la suivre, mais Maurice l'en empêche. Il avait un fusil et il était assis sur le lit, avec l'arme dans sa main. Il lui a dit, « Je vais te tuer. » Toute la nuit, France est à l'affût du moindre bruit en provenance de la chambre de ses parents. Elle entend Maurice engueuler Marjolaine. Et insulte avec des propos odieux sa conjointe qui est couchée par terre à côté du lit en la frappant avec la crosse du revolver. Quand on lui demande à qui pensiez-vous quand Maurice vous donnait des coups de crosse sur la tête avec son 38, je crois. Elle a dit, je pensais aux deux premiers hommes que j'avais connus, soit mon grand-père et mon père, qui n'avaient jamais été d'une telle violence. Elle dit, je ne connaissais pas cette violence-là. Marjolaine, qui couche dans le lit par terre, pour se sauver, si elle veut se sauver, il faut qu'elle engendre le lit. Alors, Marjolaine ne sait pas quoi faire. Vers 4 ou 5 heures du matin, il s'est endormi et il a lâché son fusil. Marjolaine fixe l'arme. Elle sait que si elle réveille Maurice, il va la tuer. Prise au piège, elle sauve sa peau. Elle ne pouvait pas s'extraire à la violence, donc elle ne pouvait pas se sauver. Parce que si elle s'était sauvée en allant sur le lit, elle réveillait monsieur. Donc, qu'est-ce qui serait arrivé? Dans sa tête, c'était raisonnable de croire qu'elle aurait été tuée par monsieur. Elle se lève et l'arme est devant elle. Marjolaine prend l'arme. Et tire un premier coup. Il y a un grand cri de Maurice. Marjolaine a peur, est effrayée, est en train de mourir. Si elle l'a manqué, ça va aller mal. Alors, Marjolaine retire deux autres coups. «
J'ai demandé à Marjolaine, est-ce que c'était calculé les trois coups de feu, un pour toi, un pour les un pour chacun des enfants? Elle m'a répondu, j'ai jamais voulu le tuer. Dans sa chambre, France bondit en entendant les coups de feu. Elle prend les jambes à son cou et se pousse. Elle veut sortir parce qu'elle est sûre que c'est sa mère qui vient d'être tuée et c'est son tour après. Marjolaine est en état de choc. Maurice a reçu une balle à la tête et deux à la poitrine. Il ne bouge plus. Elle enjambe le corps immobile de son conjoint et laisse tomber le revolver. Elle sort dans le couloir. Les chambres, les portes de chambre sont face à face. Et quand France arrive pour se sauver, voit sa mère arriver dans l'encadrement de la porte, elle n'en revient pas qu'elle est là, que c'est sa mère qui est sortie vivante de la pièce. Quand elle a vu sa mère ce soir-là, t'es pas mort. Tu sais, elle était sûre que c'était elle qui était morte. Donc... Elle n'a jamais voulu le tuer. Elle voulait s'en aller. Elle voulait avoir la paix. Ça ne tentait pas d'être une femme battue toute sa vie. Là. Elle voulait s'en aller, elle. Il y a longtemps qu'elle voulait s'en aller avec les enfants. Quand on regarde les nouvelles, qu'est-ce qu'on voit? C'est des femmes qui sont tuées par leur conjoint. Donc là, ici, on a un renversement de situation. Je pense qu'elle n'avait pas le choix. C'était elle ou lui. Et peut-être même les enfants, qui sait. Ça aurait pu être bien pire. Après le meurtre, Marjolaine et France se retrouvent dans la cuisine. Il n'y a pas un bruit, il n'y a pas un maudit bruit qui se passe. Et la seule chose qu'ils entendent, c'est le sang qui coule sur le plancher en haut, la goutte. Et France est en état de choc, elle pleure. C'est un drame, c'est épouvantable. Comment la justice traitera-t-elle cette femme qui, pour sortir de 18 ans d'enfer, vient de commettre un homicide? Le 23 septembre 1992, dans un village des Laurentides, Marjolaine tue Maurice, son conjoint, qui la terrorisait, elle et ses deux enfants. La petite communauté est en émoi. I don't understand why... Je comprends pas pourquoi ses frères ont rien fait. Didn't take care of it. Je comprendrai jamais. Peut-être qu'ils ont pensé que s'ils faisaient quelque chose, ça se retournerait contre elle. C'est probablement pour ça qu'ils n'ont pas agi. Ça aurait juste été pire. Les gens m'ont dit, mais qu'est-ce que vous faisiez, vous autres? On n'était pas au courant. Elles se n'est jamais plainte. C'est ça qui est enrageant aussi, de l'avoir laissé à cette brute-là. Qui l'a éloigné, qui la gardait à l'écart. Lors de son enquête préliminaire qui se déroule en deux temps, le 15 février et le 19 mai 1993, Marjolaine est accusée d'homicide involontaire. J'avais tellement peur pour elle. Beaucoup de gens ont refusé d'aller témoigner. J'avais peur qu'on se plante, qu'on soit pas prêt comme m'avaient demandé les enquêteurs. J'avais peur que cette femme qui est ma sœur, là, toute petite, toute menue, s'en aille faire du temps en prison. Lors de son procès devant juge seul en juin 1995, son avocate ne peut invoquer la légitime défense. Pourquoi on ne peut pas plaider la légitime défense? Parce que c'est très clair. Quand un homme attaque un autre homme, mettons qu'un homme attaque quelqu'un avec un couteau et l'autre essaie de se défendre, ça, c'est de la légitime défense, OK? Parce qu'il y a la force à peu près égale, on s'attaque, il y en a un qui meurt. Dans le cas des femmes qui tuent leur conjoint, elles vont attendre souvent que l'homme dort et là, elles vont passer à l'acte. Parce que si elles s'attaquent directement à leur conjoint, elle est faite.
pendant le procès, c'est ça, il y a une psychiatre qui vient témoigner. Ils vont faire un portrait pour après ça dire, ben, regardez, cette femme-là, avec ce portrait-là, elle souffrait finalement du syndrome de la femme battue. C'est-à-dire qu'elle a développé des stratégies pour faire face à la situation. Parce qu'elle était piégée dans ce couple, elle n'arrivait plus à en sortir. Et s'il y en a un, elle pouvait sortir, mais dans une tombe. Quand que l'avocate de Marjolaine a terminé sa plaidoirie, c'est au tour de la couronne à le faire. L'avocate de la couronne se lève et dit au juge, « Monsieur le juge, je n'ai aucun commentaire à faire sur cette cause. » L'avocate de Marjolaine était vraiment sous choc. Elle dit, « Je ne sais pas ce qui nous pend au bout, mais tout au long de ma carrière, je n'ai jamais entendu une plaidoirie de la couronne comme ça. » Le jugement est rendu le 28 juin 1995. Quand l'annonce du verdict du juge qui est en train de lire, « Madame Marjolaine, vous êtes acquittée du meurtre de blablabla », mais il n'arrête pas. Puis on se demande, est-ce qu'il vient de dire ça, que tu es acquittée ou pas? Puis il continue à parler parce qu'il fait son résumé, il fait son verdict. Et finalement, il se lève, puis il dit à Marjolaine et ses enfants d'aller une bonne vie puis d'être heureux pour le restant de leur jour. Alors là, c'est les pleurs, c'est les... C'est un heureux événement qui arrive finalement dans cet épisode épouvantable-là. Elle est acquittée de meurtre. I thought it was a good decision. Je pense que c'était la bonne décision. Elle n'avait rien planifié. Mais elle n'avait pas d'autre façon de s'en sortir. C'était lui ou elle. Ou la famille au complet. Elle ne méritait pas d'aller en prison. À vivre avec quelqu'un comme lui. Non. Elle était déjà emprisonnée. Marjolaine est acquittée du meurtre de Maurice. C'est le premier cas d'acquittement au Québec dû au syndrome de la femme battue. Elle est libre pour la première fois de sa vie depuis 18 ans. C'est sûr qu'elle doit vivre avec la culpabilité malgré tout d'avoir tué son conjoint. Par contre, elle a pu sortir de la violence et elle a pu reconstruire sa vie par la suite en espérant qu'elle ait eu du soutien, cette femme-là. D'avoir vécu ça, puis d'être sortie vivante de ça, je lui lève mon chapeau à cette fille-là. Après, bien plus maganée que ça, mais elle l'est pas, tu sais. Les enfants ont quitté cette relation de violence, cette vie de violence, mais ils ont dû se reconstruire eux aussi petit à petit. Je veux pas la négligence, la maltraitance, ça laisse des traces. Même eux ont eu la chance d'avoir leur mère qui les a protégés, qui les a aidés, qui les a aimés, mais ça laisse quand même des traces. Quand on voit ça, il faut intervenir, il faut s'en mêler. Je pense qu'il n'y a pas, d'autre solution que ça. Et je pense que ce cas-là nous interpelle dans ce sens-là. Marjolaine a tenté de s'enfuir et demander de l'aide plusieurs fois. Malheureusement, dans les années 80, la communauté et les autorités étaient peu sensibilisées aux problèmes des femmes violentées. Mais même si les choses ont changé, le nombre de drames familiaux n'a jamais été aussi important au Québec. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir ?